J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas filmé. Je suis partie en vacances. Quand je suis rentrée, j'ai eu beaucoup beaucoup de travail. Donc bon, j'ai pas trop eu le temps. Et donc bon, bah là, il fait beau. On a envie de couleurs. On a envie du soleil. Donc bah c'est pour ça en fait. Je vais vous faire un tuto make-up différent des autres. Dans le sens où je vais me maquiller sans fond de teint. Oui. Oui, c'est possible. Oui. Incroyable, mais vrai. Voilà, je vais me maquiller sans fond de teint. Ça, c'est vraiment le maquillage que je fais l'été quand il fait vraiment très très chaud et que j'ai pas envie de sentir de la matière sur mon visage. Ou quand je suis pressée. Bon, jamais l'hiver, hein. L'hiver, toujours le fond de teint, ça c'est sûr et certain. Mais là, les beaux jours, dès qu'il y a du soleil. Et que je suis un peu pressée, je mets pas de fond de teint. Donc voilà. Et par la même occasion, comme ça, je vais pouvoir utiliser les pinceaux que je vous ai montrés dans la vidéo précédente d'AliExpress. Et je vais faire le maquillage des yeux avec la fameuse palette de Beauty Glazed. Donc là, j'ai déjà mis ma. Vous avez vu, j'ai fait mes ongles. Alors là, ça fait orange, alors que c'est du rose fluo, on va dire, rose clair fluo. Et là, vous le voyez orange. Décidément, je crois que j'ai un problème avec mes lumières. Non, c'est comme ça, pas grave. Donc là, j'ai déjà mis, j'ai nettoyé le visage, j'ai mis les crèmes, etc. Et ben, on va commencer directement avec le tuto. Donc, je commence par mettre ma base Catrice, donc c'est la base matifiante. Donc même si je mets pas de fond de teint, en fait je mets la base, c'est pour éviter de briller ou pas trop briller en fait dans la journée, parce que l'été j'ai une peau assez mixte à grasse, on va dire. Et je brille assez facilement ici, sur le nez, enfin la zone T en fait. Voilà, en gros, la zone T. Donc, je mets quand même une base. Je ne mets pas de fond de teint, mais je mets l'anti-cerne. Donc là, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Catrice. Oh, est-ce que vous le voyez? Voilà. Donc ça, c'est en teinte 020 Light Beige, qui est un peu plus foncée que celle que j'utilise l'hiver, qui est la 005 beige, je crois, ou nude beige, enfin voilà, bref, c'est la 005. Et donc, je viens mettre, voilà. Alors, je mets de l'anti-cerne parce que c'est pour unifier un petit peu, unifier un petit peu le teint. Parce que j'ai souvent ici, bah, quand on bronze, en plus là j'ai pris un petit peu de couleur, donc j'ai le contour des yeux, la paupière qui est un peu plus foncée, ici c'est un peu plus clair. Donc bon, voilà, je veux bien ne pas mettre de fond de teint, mais je veux pas ressembler à rien non plus. J'ai pas de boutons, j'ai quelques taches, donc à mon avis ce sont des taches de soleil. Donc, bon, bah ça, on n'y peut rien, hein, ma foi, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, ça va venir un petit peu unifier le teint. Voilà. Je vais prendre, si je le retrouve, le pinceau. Le pinceau ben, que j'avais, vous savez, les Oreillas de AliExpress. Je n'ai jamais utilisé, hein. On va voir ce que ça donne. Il est tout doux. Ah ouais, j'aime bien. Ah ouais. Et pour l'anti-cerne, il va très bien. Ouais. Vous voyez, j'ai. Bon, là, j'ai deux grains de beauté. Là, c'est une cicatrice de bouton. Je cherche pas à avoir de la couvrance, hein. C'est vraiment juste pour unifier le teint. Avoir quelque chose de potable quand même sans fond de teint. Voilà.
vraiment du vite fait. Hein. Voilà, donc j'ai appliqué l'anti-cerne. Voilà, ça unifie un petit peu le teint, ça éclaircit un petit peu le centre du visage. Donc voilà, déjà là, voilà, moi j'aime bien. Le pinceau, il est top. Franchement, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Il est vraiment épais. Il est bien fluffy. Il est non, franchement, ouais, il est nickel. Il est tout doux. Il est vraiment, vraiment très bien. Je vous le recommande, hein. Ensuite, je viens prendre ma banana, ma poudre banana, donc de Make Up Revolution, parce que on va poudrer l'anti-cerne, forcément. Donc, je prends un pinceau comme ça, fluffy, et je viens poudrer. Alors, l'anti-cerne, je l'ai mis aussi sur la paupière mobile pour faire de base. Hein. Ça, pas besoin de base ni rien. C'est vrai que ça fait longtemps que je mets plus de base pour les fards à paupières. Hein. Je mets l'anti-cerne et ça va très bien. Ça fait une économie de produit. Eh oui. Et en fait, je poudre surtout ma zone T, hein, parce que c'est là où je brille le plus. Donc, et bien sûr, j'en ai mis 3 tonnes. Je vais faire une catastrophe, je crois. Voilà. Ensuite, on passe au bronzer. Donc, pour ça, je vais prendre le bronzer de chez Kiko. Donc, de la gamme Fall 2.0, que j'aime beaucoup. Donc, la teinte comme ça. Voilà, il y a le bronzer là. Et là, il y a un petit. Attendez, je vais mettre la main avec la lumière. Voilà. Donc. Et je viens en fait faire le contour. Enfin, le contour. Là, je réchauffe le teint hein, plus qu'un contour. Hein. Voilà, je fais pas de contouring. Je fais pas. Voilà. C'est vraiment pour réchauffer le teint. Voilà. Je viens prendre la palette de blush et contour de Make Up Revolution. Voilà. Et je viens prendre. Je viens mélanger celle-ci et celle-ci pour avoir un effet. Un peu bronzé en fait, voilà. Donc avec un gros pinceau. Voilà. Bah oui, hein, on triche, hein. On n'est pas encore bronzé, on a pris des couleurs, mais on n'est pas encore bronzé, donc on triche. Voilà. Pour le blush, je vais venir prendre, donc c'est le Metal Fusion de chez Kiko. Celui-ci, en teinte 02. Je vais tester de le poser avec ce pinceau. Alors, il est très joli. J'aime beaucoup. Alors, je vais essayer la technique du pinceau mouillé. Comme c'est des blushs métallisés, est-ce que ça ferait pas plus métal mouillé? Enfin, mouillé, humide. Oui, effectivement.
Ah oui, elle est très jolie, hein, j'aime bien. J'aime bien. Je sais pas si on va voir qui. Peut-être plus au soleil. Celui-ci, on voit plus qu'il est un peu plus métallisé, un peu plus lumineux. Mais bon, j'aime bien ça. Il est bien lumineux. Il est. Non, donc, voilà pour le blush. Je vais passer aux sourcils. L'highlighter, c'est pour la fin. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Donc, déjà, les sourcils, parce que là, plus je me regarde dans le miroir et moins je peux me voir, hein. Donc pour ça, j'utilise le crayon Kiko. Hop. Alors je n'ai plus utilisé mon cabro de Benefit. Je ne l'ai plus utilisé parce que je trouve qu'avec ce crayon-là, c'est très bien. C'est rapide et voilà, c'est la bonne teinte, c'est nickel. C'est un mascara coloré. Qui apporte un peu plus de définition. Voilà. Donc, on passe aux yeux. Donc, avec la superbe palette. Alors, je vais prendre le pinceau estompeur. Je vais commencer par cette couleur-là, qui est un petit pêche orangé. Oh, il prend bien la matière, hein. Voilà, ça fait un joli orangé. Je prends l'autre pinceau estompeur et je viens prendre. On va prendre celui-ci qui est un petit peu plus rouge. Oula. Il prend bien aussi, hein. J'adore cette palette. Pour le prix, franchement, elle est géniale. Comme je vous ai dit dans mon autre vidéo, je suis partie en vacances pendant 15 jours. Je n'ai pris que cette palette-là. Je me suis maquillée pendant 15 jours avec ça et c'était nickel. On peut faire plein de maquillages, plein de couleurs, plein de variétés, quoi. C'est vraiment génial. Je prends mon autre pinceau et je viens redéfinir le dégradé. Voilà. Voilà, je vais essayer de me rapprocher. Voilà. Non, franchement, je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, donc avec le même pinceau, oh, puis non, on va changer de pinceau. On va tous les tester, hein. Je vais prendre celui-ci qui est le petit pinceau boule. Et je vais venir prendre cette couleur-ci. Voilà. Une couleur un peu brique foncée. Voilà la pigmentation, quoi. Ouais. Et je mets en coin externe. Je regarde là, hein, parce que j'ai mon miroir, donc. Jouer un petit peu ce que je fais quand même. Ensuite, je vais le foncer avec le marron là.
Donc toujours avec le même pinceau, hein. Comme ça fait les mélanges de couleurs. Ça intensifie le coin externe. J'ai envie qu'il soit un peu plus intense, donc je vais vraiment prendre le foncé foncé qui est ici, celui-là. Oula, il y en a beaucoup. Enfin, il n'y en a pas beaucoup et c'est qu'il est très foncé. Ouais, là ça l'intensifie direct, hein. Voilà. Voilà, je reprends mon pinceau et je floute. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien le dégradé. Ensuite, je viens prendre cette couleur-là, en irisé, qui est un espèce de rose pêche que j'aime vraiment beaucoup. Et je viens la déposer. Vous voyez, ils prennent bien la matière, les pinceaux. Hein. Moi, je vais utiliser mon fixateur pour intensifier un peu plus. Parce que depuis le temps, vous me connaissez, vous savez que j'aime quand ça se voit bien, n'est-ce pas? Et pour le coup, eh ben, il n'y a pas photo! Voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Je reprends le petit pinceau avec le marron et je viens juste voilà, estomper le dégradé là. Voilà, comme ça. Je prends le petit pinceau avec cette couleur-là, cette couleur-ci, pour le coin interne. Que je fixe. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà, ça fait toute la différence. Voilà. Ensuite, je reprends mon pinceau comme ça, le premier avec la couleur orangée. Et je la mets en dessous. Au ras de cils inférieur. Je prends celui-ci pour la couleur plus rouge. En fait, je refais le même dégradé que j'ai fait en haut. Voilà, donc là j'ai mis aussi le marron. Et je prends bah, le dernier pinceau qui me reste, du coup je les aurais tous utilisés au moins comme ça. Donc c'est celui-ci qui est un petit peu plus fluffy et un peu plus plat. Et je vais venir prendre la couleur la plus claire en fait de la palette, celle-ci, d'une couleur un peu beige.
que je vais venir mettre sous l'arcade sourcilière en fait. Voilà. Ça va définir le sourcil et dégrader les fards à paupières. Donc voilà. Vous voyez, elle est vraiment bien pigmentée cette palette. Hein. Vraiment. Ah, je regrette pas du tout mon achat, mais alors pas du tout. Hein. Je fais la même chose sur l'autre œil et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai fait le deuxième œil. J'ai mis du crayon marron en muqueuse inférieure et supérieure. J'ai mis le mascara aussi. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, la palette est vraiment super bien pigmentée. Moi, j'aime beaucoup. Comme mascara, j'ai mis le Total Temptation. Je crois que j'ai jamais eu autant d'histoires avec un seul mascara, en fait. Je l'ai pris en vacances aussi pendant les 15 jours. J'avais pris que celui-ci parce que je m'étais habituée. On était devenus potes. Et pendant les vacances, c'était une grosse galère. De toute façon, je ne sais pas si si ça vous arrive aussi. À chaque fois que je pars en vacances, je n'arrive pas à me maquiller comme je me maquille chez moi tous les jours. Voilà. Bon, j'ai moins le temps, donc voilà, plus pressée, etc. Mais quand je le mettais, ben, je m'en mettais partout sur les paupières. Enfin, c'était une catastrophe. Ça ne me faisait pas des beaux cils comme ça non plus. Ouais, j'en avais marre. Donc du coup, j'en ai acheté deux autres, dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Et voilà, donc je sais pas, moi, voilà, quand je suis en vacances, je galère pour me maquiller, donc bon voilà. Mais depuis que je suis rentrée, on est redevenus copains, donc ça va, c'est celui que je mets tous les jours. J'entends des avis assez mitigés sur ce mascara. Moi, personnellement, il me convient bien quand j'ai le temps de le mettre. Faut avoir le temps, donc voilà. Alors, il nous reste à mettre le highlighter. Donc, pour ça, je vais prendre celui-ci, le Blushing Heart. C'est le Peachy Pink Kisses, donc de iHeart Makeup. Et c'est celui-là. Voilà, je trouve trop beau. Donc je prends mon pinceau pour l'highlight. Et je mélange les trois. Mon moment préféré du maquillage. Je regarde si vous voyez bien. Voilà. C'est voilà, mon moment chouchou. Pour les lèvres, en général, quand je fais ce genre de maquillage l'été, je mets souvent des couleurs rouges, framboises, pêche, enfin vraiment des couleurs assez pétantes. Donc, pour ce faire, je vais mettre celui-ci donc de chez Kiko, qui est le numéro 113 que je vous avais présenté dans mon haul. Ah, mais j'ai mon nez qui gratte. Que je vous avais présenté dans mon haul bah, Kiko, forcément. J'adore ces rouges à lèvres. Ils ont une tenue du feu de Dieu. On peut manger, on peut boire. C'est comme les matte ink de Maybelline. Hein, je vous l'avais déjà dit. Mais j'aime beaucoup. Avant ça, je vais mettre quand même le crayon. Donc, c'est le numéro 511. Donc, toujours de chez Kiko. Hein. Parce que lui aussi, je l'avais pris en vacances, hein, le rouge à lèvres. Et quand je l'ai appliqué, alors je ne sais pas si c'est la couleur ou si je suis tombée sur un produit défectueux, enfin je ne sais pas. Mais ce n'était pas du tout homogène. En fait, on voyait les traces du pinceau et on voyait mes lèvres en dessous, en fait. Voilà, on voyait la couleur. Mais c'était pas homogène, c'était pas, et j'aimais pas en fait. Voilà, c'était pas joli. Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est parce que c'est une couleur claire? J'en sais rien du tout, parce que j'ai une autre couleur claire, un nude.
Bah, j'ai pas ce problème-là du tout. Donc, je sais pas. On va y parer avec le crayon. Voilà. Donc le rouge à lèvres. Voilà. Donc c'est bien mieux avec le crayon dessous, mais encore on voit un petit peu de transparence. Mais bon. On va le laisser sécher quelques secondes et je vais mettre le brillant. Voilà, je trouve cette couleur superbe. J'adore. En plus, ouais, ça va bien, le maquillage pêche, comme ça va bien avec les boucles d'oreilles orange. D'ailleurs, celles-ci, vous pouvez les trouver, bon, bah, pas sur Internet, hein. Là, celles-ci, je les ai achetées à la galerie G en Akara, pour celles qui habitent ici. C'est une amie et sa maman qui les vendent. D'ailleurs, Chloé et maman Chloé, si vous passez par là, je vous fais plein de gros bisous. Et donc voilà, vous pouvez voilà, les trouver là-bas. Elles sont en face de chez Zara. Et alors déjà, elles sont super sympas. Et en plus, elles ont des bijoux, mais à tomber. Il y a des colliers, des bagues, hommes, femmes. Il y a des boucles d'oreilles de tout genre, de tout. Enfin, allez y voir. Allez y voir, parce que franchement, ça vaut le coup. Donc, là, voilà, le rouge à lèvres a séché, donc il est devenu mat. Et comme moi, je veux de la brillance, je vais mettre le brillant, tout simplement. Voilà, donc là il fait bien brillant et au fur et à mesure du temps il va sécher un peu et ça va faire un effet semi-mat. Voilà, donc à la fin on n'oublie pas de mettre le fixateur parce qu'en plus quand il fait chaud c'est toujours bien que ça tienne un minimum. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne un maquillage sans fond de teint. Voilà, moi je trouve que voilà, c'est rapide. Après, c'est vrai que quand il fait voilà, vraiment très très chaud, je fais le teint comme je l'ai fait là maintenant. Je mets le rouge à lèvres, mais je fais pas les yeux. Je mets juste un coup de mascara et surtout quand je suis en vacances, je me casse pas la tête à me maquiller les yeux ou voilà. Donc, mais bon, là c'était pour vous montrer aussi la palette en même temps. Donc voilà. Eh bien écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Mettez les petits pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!